en ne regardant pas le vent fort, non en ne regardant pas la tempête, sinon la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est mon exode. Dieu a dit, c'est mon exode. Je me moque de comment le Pharaon est énervé. Je me moque d'à quel point les Égyptiens sont en colère. Jésus l'a dit, cette année, c'est mon exode. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Du calvaire. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mort, nous avons été guéris. En 2010, il a une torsion de verre pour laquelle ils ont dû lui faire une abolition complète des trompes et de le verre droit. L'année dernière, je me suis mariée et avec mon mari, on était en train de demander à Dieu pour un bébé. Ils m'ont fait une imagerie par résonance magnétique parce qu'ils suspectaient que j'avais quelque chose de malin dans le verre droit. Par miracle, le verre gauche et droit s'est apparu comme totalement normal où il n'avait pas de verre. Alléluia! Qu'ont dit ensuite les médecins? Le gynécologue a dit... Le gynécologue a dit, la machine est vous, vous êtes fou. Fou, mais pour Jésus! Merci Seigneur! Maintenant, donne-lui son bébé. La dame a été diagnostiquée
avec un type de leucémie qui est un milieu de celles qui existent. C'est la plus compliquée, celui qui est plus compliqué, celle qui a la réponse la moins efficace au traitement. Elle a clamé au Seigneur pour un miracle. Et les résultats, c'est qu'en novembre, ils lui ont fait les derniers examens, ils ont suspendu le traitement parce qu'ils ne trouvaient plus rien de la maladie. La dame va parfaitement bien. Amen. Elle est venue pour son miracle, elle a cru le Seigneur et elle va parfaitement bien. Merci, Père. Ce jeune homme compte que le Seigneur l'a mené à Vamiento, il était dans la drogue et le Seigneur l'a lavé, l'a relevé. Et ça fait 4 ans qu'il est à Vamiento. Il nous dit qu'il avait demandé au Seigneur qu'il lui offre une voiture. Si naturellement le Seigneur lui a offert une voiture, elle lui a aussi offert un travail, il a prospéré et l'a béni. Merci à Dieu, merci au pasteur et merci à l'église. Et je peux donner témoignage de ce que Dieu a accompli. Et regarde, je suis Amen. Très gentil de l'avoir Amen. Répondu. Maintenant, tu dois accomplir ta parole à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Cet enfant est né avec une allergie à la protéine du lait. C'est la raison pour laquelle il n'est toléré pas le lait de sa maman. Ils ont dû lui autoriser dans son EPS des formules spéciales pour que l'enfant puisse s'alimenter, mais cela cause beaucoup de problèmes dans le développement des bébés. Ils sont allés au parc, incroyable pour un miracle. Le dernier parc? Le dernier parc, le Seigneur leur avait dit qu'il allait le guérir, alors ils ont amené leur enfant au parc. Quand ils sont sortis du parc, ils avaient la certitude de se guérissant. Ils sont rentrés chez eux et ont commencé à donner du lait de vache aux petits. Et ça fait 15 jours qu'ils le font. Le petit avait toujours des sels dans le sel, des coliques permanents, une paire de poids, mais maintenant le petit va très bien. Merci Seigneur, allez, à Vivamiento! C'est une famille très bien. Le Seigneur les a menés parce que leur foyer était complètement détruit. Le mari ne voulait pas rien avec elle et tout allait mal. La situation économique, la familiale, tout était détruit. Le Seigneur les a menés, a commencé à les appuyer. Son fils est devenu le meilleur étudiant de GSC, gymnase campus-chrétien. Amen. Cette année et l'année dernière. Et en plus, il a payé tous les collèges et il dit que le Seigneur a restauré son foyer. Il a restauré son travail et leur donné une bénédiction dans leur économie. Mon épouse et mes enfants ont clairement adieu et je ne comprends pas. Et maintenant que j'ai l'opportunité, Dieu m'a parlé, m'a dit « Tu dois demander pardon à l'église et au pasteur parce qu'en nous avons donné les conseils de nous séparer. » Puis le foyer était totalement détruit. J'aurais beaucoup de peur au diable. Et j'ai commencé à part moi de l'église, mais je demande pardon. Pardon, Seigneur, et pardon, pasteur. Bien sûr que nous te pardonnons. L'important, c'est que tu sois de retour. Le diable m'a parlé, m'a envoyé mon travail dans la police nationale. Maintenant, je le pardonne, mais je sais que c'est l'un de l'exode. Amen. Il a restauré mon feu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Parfois, nous pensons, j'ai péché, j'ai fait des choses terribles et maintenant, il n'y a plus d'opportunité. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu de seconde opportunité. Alléluia! Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regarde ce que la parole du Seigneur dit. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses morts précieuses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a déjà payé pour nos rébellions. Il a déjà payé pour nos douleurs. Il a déjà payé pour les injustes. Pour que nous soyons glorifiés. Je voudrais prier pour toi maintenant et je voudrais te guider pour que cette décision que tu prends soit de tout ton cœur. Si tu veux prendre ta décision pour Jésus ou que tu sois ferme tes yeux. Et ensemble, nous allons prier, nous allons lui dire, Seigneur Jésus, je te remets de ma vie. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, pour que tu sois mon Sauveur, pour que tu me laves avec ton sang précieux et que tu fasses de moi une nouvelle création. Note mon nom dans le livre de la vie éternelle et s'il te plaît, ne l'efface jamais. Je veux être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours.
jusqu'au jour où je vais les célébrer avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons ensemble un fort applaudissement à Jésus. Dans ce qui suit, écouter une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 28, qui est sur ce dont je veux parler, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen et Amen. Alléluia. Savez-vous que parler de la foi, c'est parfois difficile de l'expliquer aux nôtres. Quand nos enfants étaient petits, nous avons essayé de leur expliquer ce qu'était la foi. Et je leur disais, nous vivions dans un appartement, un duplex. Je les ai enseignés et je leur disais, c'est comme si ta maman me disait, n'oublie pas de me laisser l'argent pour acheter quelque chose. Et je lui disais, je te l'ai laissé sur la table. Et on se disait au revoir et on fermait la porte. Mais elle ne descendait jamais pour vérifier. Elle allait prier, elle se préparait. Elle était tout le temps certaine que je lui avais laissé l'argent. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle l'a cru. Et ça, c'est la foi. Dis avec moi, foi. C'est ça, la foi. Mais l'Écriture l'a définie dans l'Épître aux Hébreux ainsi. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la certitude. Cette certitude intérieure des choses que tu espères. Si nous annonçons que c'est l'année de l'Exode, et que nous l'espérons, et que nous avons la certitude à l'intérieur de nous-mêmes, la certitude, c'est ça la foi, c'est la foi. Cette certitude, ce mot hypostasis, est un mot grec et une substance spirituelle que nous recevons. Et quand nous avons cette foi, alors nous avons les promesses de Dieu. Elles nous appartiennent. Quand nous disons, elles sont à nous. Quand nous avons la foi, quand nous la retenons en nous, nous allons conquérir. Ça, c'est la foi. Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi, où vas-tu la trouver? Tu vas la chercher dans la religion, tu vas la chercher dans tes bonnes œuvres, tu vas la chercher dans ton comportement. Ici, tu ne vas pas trouver la foi. Tu ne vas pas la trouver entre les religieux, ni même entre les croyants. La foi vient par la parole de Dieu. Quand Dieu donne une parole, cette parole vient accompagnée de la foi qui vient à notre cœur. Maintenant, comment retenons-nous la foi? Et là, il y a le second verset, Hébreux chapitre 11. Hébreux 11 est le chapitre en or de la foi. Et il mentionne la foi qu'a eue depuis Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob. Et au verset 13, il dit quelque chose qui est la clé de comment retenir la foi. Il dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. » Dis avec moi, ils les ont vus, crus et salués, confessant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dis avec moi, vu, cru
saluer et confesser. C'est ça la clé. En regardant, dis avec moi en regardant. Répète en regardant. Dans Proverbe, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps, en les regardant. » Quand tu donnes une parole à quelqu'un qui la reçoit, c'est un médicament pour tout son corps. En regardant la parole, dis avec moi, en regardant la parole de Dieu. Non, en regardant le vent fort. Non, en regardant la tempête, sinon la parole de Dieu. Dieu dit que c'est mon exode. Dieu dit que c'est mon exode. Peu importe comment s'énerve Pharaon. Que m'importe combien sont énervés les Égyptiens. Jésus a dit que c'est l'année de l'exode. Alléluia. Il est dit que par la foi, ils ont cru. Dis avec moi, ils ont cru. Et croire représente une action. Évidemment, c'est une condition de l'âme. Mais il y a une action. C'est ce que dit Jacques. Noé a construit une arche à une époque où il ne pleuvait pas, sinon que la terre. La terre s'est levée, une vapeur qui arrose la terre. Mais à cause du péché, Dieu a dit qu'il allait détruire. Il allait détruire toute sa création, l'homme et tout ce qui avait le souffle de Dieu. Il ordonna à Noé de construire une arche. Il a commencé à la construire, c'est ça la foi. Qui construit une arche sans jamais avoir vu une averse? Mais Dieu a parlé de pluie, il a parlé d'une inondation, d'un déluge. Et il a construit son arche pendant 100 ans, en annonçant aux gens et en construisant l'arche. Ça, ça s'appelle la foi. La foi, c'est agir, c'est croire avec une action. Quand Dieu dit à Zach, sème dans ce pays et ne va pas en Égypte, parce qu'il y avait une famine terrible. Et quand il y a une famine, les gens cherchent les puissants. Quand il y a une famine dans notre Amérique latine, les gens veulent courir en Amérique du Nord ou en Europe. Mais le Seigneur leur dit, n'y allez pas, mais semez sur cette terre. Et cet homme, dans le désert, quand il n'y a pas de pluie, il plante la semence. Et Dieu, en un an, le rend plus puissant que toute une nation. Cela s'appelle foi. Foi. Alléluia. Il est dit qu'ils ont confessé. J'aime cette parole, confesser. Dis avec moi, confesser. Confesser, c'est déclarer. Dis avec moi, déclarer. Bon, dans Hébreux, il est dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Le mot professer, c'est confesser, c'est ce que nous disons. Retenez-le, dites-le. S'il nous l'a déjà dit, dis-le. C'est l'année de l'Exode, c'est l'année de l'Exode. Dites-le, déclare-le. C'est la forme de retenir ce que Dieu t'a dit. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham pleurait, il se plaignait parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il avait 75 ans, il n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a promis des enfants. Et lui, il a cru. Arrivé à 99 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Alors le Seigneur lui dit, « Ton nom sera Abraham, ce qui veut dire père de multitude. » Il s'appelait prince avec Dieu Abraham. Mais Dieu l'a appelé père de multitude, Abraham. Mais à partir de ce moment, il s'est appelé Abraham. Cela, c'est confessé. Je m'appelle Abraham, père de multitude, Abraham. Je peux voir ce grand-père en train de marcher avec son bâton, en train de dire, je suis père de multitude. Il n'avait pas d'enfant. Je suis père de multitude. Je suis père de multitude. Je suis père de multitude. Et tu vas dire, c'est mon exode, c'est mon exode, c'est l'année de mon exode. Alléluia. Alors maintenant, vous savez comment retenir la foi, en voyant ce que Dieu a dit, en croyant ce que Dieu a dit, en confessant ce que Dieu a dit,
en le saluant. Cette partie, presque personne ne l'applique. Mais c'est ce qu'il est dit dans le texte. Ils ont salué. Ils ont salué la terre de Canaan. Et ils ont dit, jusqu'ici, Dieu va nous la donner. Au sud, Dieu va nous la donner. Ah, je ne sais pas combien ont salué l'Exode. 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 C'est l'année de l'Exode. Forteresse de mon âme et ta parole. Ta présence me renforce. Tu m'élèves. Tu vas l'avoir. Tu vas le croire, le confesser, tu vas la saluer. Retiens la promesse de Dieu, la foi qui est venue à ton cœur avec cette promesse. Et tu vas conquérir des royaumes, tu fermeras la bouche des lions. Tu vas conquérir cette année, tu vas marcher sur les eaux. Salue-la seulement. Que nous écoutions le Seigneur Jésus. Quand Pierre était en train de s'enfoncer, il ne lui a pas dit « Tu n'as point de foi », mais il lui a dit « Tu es en train de t'enfoncer parce que tu as douté. Tu peux te trouver dans cette même circonstance, tu as la foi, tu crois que Dieu peut le faire, mais quand vient l'oppression, comme l'oppresseur vient sur ta vie, alors il te met le doute, tu te mets à vaciller. » Et à cause, lorsqu'il a vu que la tempête était si forte, il a pensé, si la promesse se finit, Jésus a oublié. Il a arrêté de regarder le Seigneur. Je voudrais que ce matin, tu ne regardes pas les circonstances, mais que tu regardes Jésus. Si tu restes en train de regarder la tempête, tu vas passer de l'autre côté. Mais si tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, par-dessus de toutes les circonstances, il va te faire passer de l'autre côté. Amen. Il est celui qui va te faire passer de l'autre côté. Vas-y, dis avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que tu es ici ce matin. Merci parce que tu écoutes ma prière. Et merci, Seigneur, parce que tu as, Seigneur, tu as la réponse à tous mes besoins. Ce n'est pas l'homme, mais seulement toi, Seigneur. Et pour cela, je suis venue à tes pieds, Seigneur. Dis-lui, je viens à tes pieds, je n'ai pas ma confiance en un homme, sinon seulement en toi, Seigneur. Et il va répondre à chacun de tes besoins. Merci Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, merci parce que tu es celui qui me fera sortir de cette oppression. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Lève ici tes promesses, tes mains, tes demandes de prière. Los jóvenes flaquean y desmayan. Nuevas fuerzas en ti esperaré. Forteresse de mon âme et ta parole. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Ta présence me renfort le matin. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. En ton nom.
se trouvait à la bataille. Forteresse de mon âme et ta parole. De mon âme et ta parole. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. Tu me élèves. Alléluia! Donnons cet applaudissement au Seigneur. Nous allons présenter nos demandes de prière, parce que c'est l'année de l'Exode. Cette année, dis Seigneur, sors-moi de la dette. Cette année, libre de la dette, que ce que tu reçoives soit ta bénédiction. Dis-lui, cette année Seigneur, sors-moi de cette maladie qui m'a tourmenté pendant des années. C'est mon année, c'est l'Exode, salue-le. Visualise-le en marchant, guéri, en bonne santé, fort, libre de la dette. Cette année, tu me donnes pour héritage la terre sur laquelle je vis. Cette année, c'est l'année de la conquête. Salue-la, salue la conquête, salue-la avec foi. Crois-le, déclare que c'est ton exode. Cette année, même s'il y a des épreuves dans les nations, ma maison sera remplie d'abondance. Salue l'abondance de Dieu. Salue au nom de Jésus. Cette année, dis-le, cette année, c'est l'exode. L'exode. Cette année, ma famille sortira de la division, de la dispute, de la ruine, et entrera en harmonie et dans la présence de Dieu dans notre maison. Salue une année d'harmonie, le commencement de la bénédiction pour ta famille. Cette année, Exode, tu vas conquérir. Cette année, tu vas marcher avec Dieu. Cette année, tu recevras la parole de Dieu. Cette année, il y aura un transfert. C'est cette année. Salue-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus.